née d'une rencontre qui a été faite au conservatoire du 14e, d'où on vient. Et en fait, ce projet, il est né d'un CET, certificat d'études théâtrales. Et c'est un travail qu'on doit faire d'une demi-heure dans le cadre de la fin des études. Je voulais parler des thérapies de conversion. J'ai choisi les acteurs et les actrices qui étaient dans ma classe. Notre compagnie est née comme ça. La pièce qu'on présente s'appelle Thérapie de conversion. C'est une pièce qui parle des thérapies de conversion, qui sont des méthodes faites par les milieux culturels, les associations religieuses, qui s'étendent aussi dans les domaines médicaux pour essayer de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne en essayant de la rendre hétérosexuelle ou cisgenre. J'ai décidé de faire cette pièce au moment où il y avait la lutte en France pour l'interdiction légale des thérapies de conversion. Moi, j'ai suivi de ça de près et ça m'a beaucoup touché. Et comme j'ai dû monter une pièce d'une demi-heure et qu'il fallait que je le fasse, c'était un peu l'opportunité pour parler de ça et en faire un objet artistique. Il y a beaucoup de choses qui viennent de documentaires qu'on a trouvé, comme Homothérapie sur Arte, qui est un documentaire très complet qui parle de ça. C'est une compagnie qui est composée majoritairement de personnes queer, de personnes concernées par ces questions-là. Du coup, on a beaucoup amené, nous, de nos ressources, de nos vécus. On a décidé de participer au Festival des Cultures Jeunes parce que c'était une opportunité en plus pour nous de faire vivre le projet, de le continuer et surtout de nous adresser à un public plus large, pas forcément qui vient du milieu artistique aussi, parce que ce projet, sa mission, son objectif, c'est aussi de sensibiliser, de faire entendre notre propos, de le faire entendre à un plus grand nombre.